Et salut toi! Alors aujourd'hui, je te propose un petit jeu. Un petit jeu, c'est le jeu des merci. Alors, on va commencer tout d'abord par trouver une position qui te convient bien. Tu peux t'asseoir un petit peu comme un Indien, tu vois, ou tu peux t'asseoir sur une chaise, sur ton fauteuil. Tu peux te coucher aussi si tu veux. Et si vous êtes à plusieurs à la maison à faire ce petit jeu, eh bien, asseyez-vous peut-être en cercle pour pouvoir vous voir les uns les autres. Alors, on va commencer l'exercice en fermant les yeux, si tu le veux, ou en tout cas en rentrant dans ta bulle, en essayant d'être le plus sérieux possible, sans chercher le regard des autres. Ne regarde pas tes frères et sœurs, papa, maman ou tes amis. Tu fermes les yeux ou tu regardes tes pieds, par exemple. Et tu te concentres. Tu sais, un petit peu comme si tu allumais une lampe de poche et qu'avec la lampe de poche, tu allais illuminer juste ton ventre. Si tu veux, tu peux aussi mettre tes mains sur ton ventre. Et tu te concentres sur celui-ci, sur ton ventre. Que fait-il là maintenant, ton ventre? Tu peux le dire tout haut. Peut-être que ton ventre, il fait des gargouillis parce qu'il a faim ou parce que tu viens de manger. Mais en tout cas, je suis certaine d'une chose, c'est que ton ventre, il bouge un petit peu. Si tu mets bien tes mains dessus, tu peux voir que tes mains, elles montent et elles descendent. Tu sais pourquoi? Ben oui, parce que tu respires, comme tout le monde. Sauf que toi, tu respires peut-être plus vite ou plus doucement que la personne qui est avec toi là maintenant, que ton voisin. Chacun respire à sa façon. Mais tout le monde respire, toute la journée et toute la nuit. Alors observe un petit peu comment toi tu respires. Et puis, tu peux aussi observer comment les autres respirent là avec toi. Chacun à son tour, on peut regarder comment l'autre respire. Est-ce qu'il respire plus vite ou plus doucement que moi? Et puis maintenant, eh bien, chacun va retourner dans sa bulle et va essayez de répondre à cette question. Tu es prêt? À qui ai-je envie de dire merci aujourd'hui et pourquoi? Attention, tu gardes la réponse dans ta tête pour l'instant. Chacun prend le temps de réfléchir. Peut-être de voir une image dans sa tête, l'image de quelqu'un ou de quelque chose que l'on a envie de remercier parce qu'on est content qu'il soit tout près de nous, qu'il fasse ce qu'il fait. Qui as-tu envie de remercier aujourd'hui et pourquoi? Ça peut être une personne, ça peut être un animal, mais ça peut être aussi un objet que tu as envie de remercier parce qu'il est là et que tu l'aimes beaucoup. C'est bon pour toi? Alors maintenant, tu peux partager. Chacun à son tour peut dire qui il a envie de remercier et pourquoi.
Est-ce que chacun a eu le temps de dire qui il a envie de remercier et pourquoi? Si pas, tu peux mettre sur pause. Si chacun a eu le temps de le dire, alors maintenant, on peut essayer de trouver d'autres choses que l'on peut remercier. Par exemple, moi, j'ai envie de remercier ma toute petite fille pour le gros câlin qu'elle vient de me faire. Il était doux, il était réconfortant. En plus, elle me serre bien fort le cou, j'adore ça. Et toi? Alors, ce que je te propose pour terminer, eh bien, c'est de pouvoir trouver en défi, en famille, 10 choses le plus rapidement possible. C'est-à-dire que du coup, on ne doit pas trop réfléchir. 10 merci que vous pouvez faire le plus rapidement. Merci pour ci, merci pour ça, merci pour ci, merci pour ça. Allez-y, je vous laisse et pensez à remercier tous les jours pour ce que vous avez autour de vous. Bonne journée à tous et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux merci.